Donc pour l'épisode numéro 3 de Valiant Hearts, Soldat Inconnu, j'ai lancé de deux niveaux de sauvegarde, parce qu'en fait j'ai donc actuellement de poster sur mon Let's Play, sur ma série Valiant Hearts, donc Soldat Inconnu sur ma chaîne YouTube, en fait deux épisodes, et en fait j'ai dû faire un épisode 3, un épisode 4 qui n'ont pas été enregistrés. Donc là en fait j'ai changé, j'ai arrêté avec Overwolf, apparemment j'avais des petits problèmes, et j'ai pris en fait le système d'enregistrement de Windows 10. Donc là j'enregistre avec Win plus G, j'espère que là il va pas y avoir de problème. Et l'épisode 3 et l'épisode 4, en fait je les ai pas téléchargés sur ma chaîne YouTube, parce qu'en fait j'ai fait des vidéos de 30-40 minutes et il y avait eu que genre 1 minute 16 secondes d'enregistré, donc là j'ai vraiment pas mis. Et là en fait je pense deux niveaux de sauvegarde, voilà. Donc là, ça va être 3, j'espère que ça Et en fait, en fin de vidéo, comme là, avec le système Windows 10, je pense pas qu'on puisse enregistrer le bureau de l'ordinateur, ça enregistre uniquement. Et je vais vous mettre en fait une capture d'écran du site Gamefront dont je vous ai parlé. Moi, je suis abonné sur mon compte Twitter, en fait, à Gamefront. Et en fait, c'est. En anglais, et qui indique que toutes les activités de loot, en fait, de dropping, des objets pour ramasser des objets, en fait. Donc, par exemple, moi, ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube, qui doit faire 6 minutes et quelques, parce que, en fait, j'avais fait plus, mais il y avait 6 minutes d'enregistrer, j'ai quand même posté celle-là. En fait, j'étais arrivé jusqu'à la caserne, et par contre, j'avais pas pu filmer l'entraînement dans la caserne. Donc, ça avait pas pris sur ma vidéo. Et donc, en fait, là, comme c'est indiqué dans le site Gamefront, donc je vais essayer de vous poster une capture d'écran à la fin de la vidéo. Et en fait, j'avais bien pu clouter le casque allemand. En fait, German Helmet, HELMET. Et voilà. On continue. Et j'espère que ça va fonctionner. On continue. Donc, chargement. Grâce à l'appui des Alors, je forces crois que le chien, en britanniques, fait, je crois que le le plan chien, allemand avait il a un échoué. nom, en fait. J'ai vu ça sur un Le site front remonta anglais, vers le nord et se là, hier ou figea avec avant-hier. l'arrivée de l'hiver. Le chien a un nom. Je Les sais plus soldats si c'est Wals s'enterrèrent au ou un cœur truc d'un comme ça. dédale de Je sais plus. boyaux et de tranchées. Gigantesque labyrinthe Il doit que avoir un nom, le l'histoire chien, allait en fait. rendre tristement célèbre. Mais bon, on peut le renommer. Karl et son régiment se replièrent aux abords de Neufchâtel, dans le camp où Émile était détenu Voilà, prisonnier. donc en fait, moi j'ai dû faire de la choucroute en tant que prisonnier dans le camp allemand, tant que prisonnier français dans le camp allemand avec Émile, en fait. C'est Émile est français, donc c'est un soldat français qui a l'âge en fait d'être le père de Karl. Et en fait, c'est un soldat allemand qui est donc l'âge du fils d'Émile, et lui il doit être marié avec la fille d'Émile, je crois. Donc là, nous nous retrouvons, voilà. C'est là que je me suis arrêté, en effet, sur ma vidéo qui devait être la vidéo 4, mais que j'ai pas pu poster parce qu'il y en a eu que très peu d'enregistrés. Donc en fait, voilà, je suis arrivé jusqu'à ce niveau de sauvegarde là. Donc en fait, j'avais fait un peu d'underground dans les tranchées, c'est-à-dire de souterrain dans les tranchées avec Emile. Donc j'ai aussi eu le chien. J'ai droppé le chien, j'ai eu le chien en fait. Donc j'ai un peu avancé dans le jeu et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo numéro 3, cet épisode numéro 3 va fonctionner. Donc là on est avec Freddy, donc je crois que c'est Freddy, hein, donc c'est le soldat américain. Et on va y aller. Donc le drapeau, là ça doit être le drapeau apparemment. Ça m'a l'air d'être un truc. Évidemment dans le coin on voit le drapeau britannique. Donc le drapeau anglais, enfin anglais britannique, quoi, parce que c'est la superposition des drapeaux anglais, écossais, etc. Donc c'est le drapeau Grande-Bretagne. Bon. On va avancer avec Freddy. Donc là je suppose que là il va y avoir de l'action. Donc là en effet les soldats, ça a l'air d'être des soldats un petit peu indiens, etc. Donc je sais pas si les Anglais pendant la Première Guerre mondiale, ils devaient avoir en fait les Français devaient avoir des soldats en fait du
système colonial français, hein, de l'Empire français, on va dire ça, et les Anglais devaient avoir pareil. Donc on avance avec Freddy. Allez, hop, Redesca, il a pas d'armes, alors on va faire attention. Voilà, et hop, je me suis fait avoir. Hop. Ouais, faut tout recommencer. Enfin, tout recommencer. Sauvegarde. Ok, attention. Voilà. Ah ouais, mais là, faut faire attention parce que... Alors c'est embêtant parce que là, j'étais prêt finalement de rester derrière le truc pour m'en servir un peu de bouclier. S'avancer maintenant, voilà, trop là, ouais, non, là, ça va être dur, je le sens, ça va être dur là. On va falloir y aller quand même. Voilà, ok. Bon, là, il va retirer peut-être. Faudrait que j'attende, faudrait que je me serve de ça comme bouclier là. Est-ce qu'il retire ou pas? Voilà, voilà, là, je m'en sers de bouclier. Alors je crois qu'ils mettent en fait sur les petits systèmes d'indices là, et de petits documents historiques, ils mettent la boue en fait qu'il y avait sur sur le battleground, hein, le champ de, sur les champs de bataille. Donc là il va y avoir des barbelés. Qu'est-ce qu'il me dit les... Ouais, barbelés, ok. Alors là, ça c'est des Anglais. Voilà, barbelé, ok. Voilà. Alors j'appuie sur l'espace pour sortir la... l'espèce de... je sais pas comment ils appellent ça en le truc. Donc là, ça me sert de bouclier. La pince, c'était peut-être une pince. Peut-être une pince, hein. Hop. Alors donc ouais, bah ça me fait aussi, c'est ce que j'allais dû vous dire en fait, c'est ce que j'allais dû dire sur ma vidéo 3 et 4 mais qui n'ont pas été enregistrées, donc du coup je vous le redis parce que là j'y pense en fait sur mon blog Tumblr, en fait moi j'ai un blog Tumblr et un blog WordPress qui sont tous les deux liés à mon compte Twitter, en fait j'ai dû poster en fait un article dans lequel je mets un lien en fait, il doit y avoir un ou plusieurs liens, et puis en fait je dois faire un petit copier-coller dans un des articles sur Tumblr, sur mon blog Tumblr qui est lié à mon compte Twitter. En fait parce que j'ai vu dans des systèmes de... alors j'ai été sur test.fr, sur test.fr, donc le système de test pour les universités françaises, et en fait j'ai été aussi sur le portail des systèmes de thèse du Canada. Et en fait, qui est lié aussi avec les systèmes d'archives du Canada. Moi, je suis aussi abonné à Archives Ontario, arrobas archives au pluriel Ontario, avec grand A et grand O, O majuscule et A majuscule, Archives Ontario. Je suis abonné sur mon compte Twitter. Et en fait, j'ai posté sur mon blog Tumblr, j'ai un des articles, donc vous pouvez aller voir. Et en fait, dedans, il y a des trucs en rapport avec la Première Guerre mondiale au niveau canadien. Donc en fait il y a des petits articles en fait, par exemple il y avait dû y avoir une explosion en 1916 à Halifax. Alors j'ai pas trop lu, mais en fait j'ai posté un lien, donc si ça vous intéresse. Parce que en fait sur ma vidéo 3 et 4 en fait j'ai dû voir un truc dans les indices historiques, on remettra certainement tout à l'heure, en fait sur Neuf-Chapelle je crois. Donc là, la prochaine fois, là, je fais le dé pour éliminer le bouclier qu'on va passer quand il va recharger sa mitrailleuse. Hop. Allez. Là, je me demande si j'ai pas loupé un petit loot, un petit drop. Voilà. Donc là, TNT. Ok, on a un peu l'habitude.
Non. Je me demande si c'est pas TZT qui est marqué là du coup. Et la dernière fois c'était TNT. Parce que la dernière fois que j'ai fait les trucs avec la TNT, c'était TNT, mais là je me demande si c'est pas TZT qu'il met. Et là c'est un soldat hindou hein, ou indien, je sais pas comment on dit du coup, mais. Il veut plus me la remettre sa bulle là. Et puis aussi j'ai vu en fait hier ou avant-hier en fait en fouillant un petit peu sur internet par rapport à Valiant Earth que évidemment en fait on peut aussi faire du speedrun. Du speedrun il y a certainement des possibilités. Alors je sais qu'il y a finalement le site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, speedrun.com, donc run R-U-N. Et donc où il s'agit de faire les trucs le plus rapidement possible en fait. Par exemple, monter dans les jeux de rôle en ligne, par exemple Warcraft, etc. Monter le plus rapidement possible de niveau 1 au niveau 10, level 1, level 10. Et c'est possible que pour Valiant Earth, soldat inconnu, c'est possible qu'il y ait du speedrun. C'est possible. Bon, lui, il veut pas me redire, j'ai cru avoir TZT, mais c'est TNT. Hein. Donc là, on est dans les petits systèmes souterrains, ok. Non, c'est bien TNT, c'est bien TNT, ouais, c'est bien TNT, ok. Il y a peut-être du coup... Ouais, alors là, ok. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse là, parce que... faut que j'appuie tout simplement là. Ça fonctionne pas, évidemment. Il va falloir faire les branchements comme il faut tout le temps faire en fait. Voilà. Ok. Alors, 2, 3, 2. Ouais, ok. On perd des petits courants alternatifs et des petits courants continus. 2, 3, 2. Ok. Ouais. Alors là, il parle. Ils imitent. Ils caricaturent un petit peu les voix, hein, parce que les Français, c'est vas-y mon gars. En fait, ça fait un peu. Ça fait un peu la France, vas-y mon gars. Enfin, puis alors là, l'Indien, c'est à la limite, ça fait une petite voix caricaturale chinoise là. Donc là, ok, mais je vois pas où le brancher celui-là. Fuck. WTF. TNT. Alors, ouais. Ah ouais. Là, si je pouvais avoir un petit renseignement, je le prendrais volontiers. Je le prendrais volontiers. J'avoue que je vois pas ce qu'il faut faire. J'avoue que je ne vois pas ce qu'il faut faire. Ok. Deux, trois, deux, ouais. Ouais, j'ai pas trop compris là. Ouais, ok, on va essayer de le faire descendre, je sais pas. Pff. Voilà. Non, comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Ah.
Ah, faut peut-être que je lui lance. Ah, ok. Donc là, on va voir. Faut peut-être que je lui lance, en fait. Ok, indice. D'accord. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est typique. Voilà. Il va falloir que je lui lance, en fait. Et voilà, ok. Il va falloir que je lui lance ces trucs, quoi. Ouais, ok. Ok. Continuez. Donc là, c'est bon. 2. Ouais, c'est plutôt celui-là, voilà. Et là, il faut que je lui lance celui-là, en fait. Voilà. D'accord. Comment c'est ça, mon gars? Ah. Alors. Voilà. On va lui lancer. Voilà. 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 Là, il faudra 3. Voilà. Hop là. Voilà. 3. Ok d'accord. Ils sont en haut les 3. C'est 4 là. Ouais, possible. Ok, bah ce sont on peut lui lancer d'ici. Voilà. Donc un petit indice supplémentaire. Là, d'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est bon. Continuez. Hop. Là, c'est du 2 maintenant. Ok. Le 2, c'est... Bah, c'est ici. Non. Pas celui-là. Celui-là. Voilà. Ah ouais, puis lui bouger son... Son petit chariot, ok. Ça arrive. Voilà. Et voilà. Tenté, ok. On va appuyer. Ok. Ouais. Donc c'est plutôt là en fait. Il va plutôt falloir monter peut-être. Ok. Parfait. Hartung. Est-ce qu'il y a quelque chose à looter par là? Non. Ok, on va pas redescendre. Il n'y a rien en surbrillance, disons. Ok, là, c'est faut monter. Ouais, si, il n'y a rien en surbrillance ici. Qu'est-ce que je dis? Ah, je vais essayer de choper les objets. Là, ils vont m'indiquer la... le truc des objets. Voilà. Là, qu'est-ce que... Hop. Ah bah ouais, mais alors, s'il y a un problème, voilà. Couteau cucurie. Ah, ok. Voilà. Ok. Ah ouais, ça fait un peu Dan Simmons, en fait. Je crois que c'est le couteau Kamar dans Dan Simmons Looking for Kelly Doll. Donc, sa short story à Dan Simmons, écrivain américain, en 1948. Et c'est le couteau Kamar, je crois, qu'il prend dans les surplus militaires, donc, aux États-Unis. Sa short story Looking for Kelly Doll. Le coup de
Kukuri. Couteau Kukuri, aussi appelé couteau Gurkhas, qui sont des unités coloniales britanniques d'origine indienne. Voilà. Ok, cette arme népalaise symbolise les forces de l'Empire, d'accord. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, en fait, je sais pas comment on peut essayer de rechercher hier ou avant-hier sur cette arme, comment on pouvait faire pour obtenir vraiment tous les objets qu'on a lootés depuis le début. Parce que moi, j'ai le casque allemand, c'est ce que je vous ai dit, le German Helmet, HELMET, donc à la caserne. Et en fait, apparemment, je sais pas comment on peut l'obtenir, en fait, comment on peut le voir dans mes objets, en fait. Donc le couteau Kukuri. Ok. Bon, à la limite, je peux le tweeter celui-là. Pourquoi pas. Cliquez sur ce lien, minimisera le jeu, ouvrira le navigateur internet. Continuez. Ah ouais. Alors ce qu'il y a, c'est que ça va m'arrêter en fait mon enregistrement si je fais ça. Ça va m'arrêter mon enregistrement. Donc je vais réfléchir avant. Je vais essayer de réfléchir. Là avec le système de Windows, ça va m'arrêter mon enregistrement et ça va pas du tout être pratique. Donc ça c'est ennuyeux. Bon, on va voir, c'est bête, j'aurais bien aimé le tweeter à la limite celui-là. Oh. Donc bon, il est 10h59 apparemment. 10h59. Donc la prochaine sauvegarde, à la limite, j'arrêterai la vidéo. En espérant que ça fonctionne. Ah, le chien. Ah ouais, il est pris dans les barbelés avec Emile. Il est pris dans les barbelés avec Emile. Donc là, on va peut-être passer en jouant sur Emile, peut-être. Non, on va rester avec Emile. Ok, donc Emile essaie de retirer le chien des barbelés. Ok. Donc là, je sais pas ce que c'est que cet engin, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'était. Ok. Donc là, ok, Emile essaie de retirer son chien, d'accord, et moi... Ah ouais, il faut que je fasse un truc à la longue vue, bah ouais, voilà, c'est ça. Faut que je fasse un truc à la longue vue, évidemment, pour que... Ouais, j'avais pas vu, en fait, c'est en fait un espèce de... Oui, de longue vue, on va dire ça comme ça. Voilà, ok, voilà, donc là, ok. Et... faire avec ça. Ah, ok, là, avec les flèches... Voilà, avec les flèches, je peux... Je peux centrer en fait, d'accord. D'accord, ok, là ça a l'air d'être... Alors je crois que c'est appelé un jeu puzzle, hein. Je crois que c'est appelé un jeu puzzle, si on va sur internet, sur différents sites, je crois que c'est appelé un jeu puzzle en fait, Valentin, si vous avez connu. Alors, ok, mais là, il faudrait plutôt que je... Non, en fait, il faudrait que j'élimine... Ouais, ah bah, là j'ai éliminé Emile plutôt. Ok, d'accord. Espace, on tire, d'accord. Ok. Donc en fait, il faut que j'élimine l'engin, quoi. Alors, je sais pas comment on appelait ça. Hein. C'est pas un tank, apparemment, c'est pas un tank, c'est je ne sais pas trop quoi. Hein. Un stabilisateur de terrain peut-être. Bon, là c'est relativement passé. Et espace. Voilà, succès.
s'est débloqué, une nouvelle amitié naît. Donc bon, voilà. Et c'était déjà rencontré sur la gare, hein. SOS, ok, d'accord. Ok, donc là je vais avancer avec espace, hop, on va libérer le chien. Voilà. Ok. Donc apparemment, il doit y avoir un indice. Qu'est-ce qui se passe? On continue, c'est pas encore pour l'indice là. Ah mais oui, si je peux lui couper ses fers au pied. Alors, donc l'indice, on va essayer de le mettre. Ok, ouais, bah. Ils sont un peu en retard d'un train là. Continuez. Hop, le. C'est plus pratique. Hein. Merci, mon ami. Lui, il veut aller sur l'étendard prussien de 1870. Carl Louis von Dorf. D'accord. Yeah, ok. Donc là, Freddy, Emile et Carl. Ok. Donc si Jens... Bon, sauvegarde, ok. Bon bah écoutez, je vais arrêter la vidéo donc numéro 3 là, en espérant Freddy qu'elle ait et fonctionné. Emile retrouvèrent la trace du baron. Donc et de son régiment à Ypres. Je vais arrêter la vidéo là. Hein, bon bah voilà, donc j'arrête mon troisième épisode de Valiant Hearts, ce soldat inconnu, et donc salutations.